Hey, salut ami assassin. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un glitch dans le jeu Assassin's Creed Valhalla. Donc alors le but de ce glitch, ça va être de farmer les lingots de tungstène, j'espère que je le dis bien, en fait sur un soldat qui réapparaît à chaque fois que le jeu se lance en fait si vous voulez. Donc alors pour faire simple, ça se trouve au niveau de ce croisement, comme vous pouvez voir là sur la map. Donc c'est vraiment dans un croisement, hein. Donc aller pile poil à ce niveau-là. Et en fait, si vous voulez, les soldats vont à chaque fois apparaître ici dans la région de Clovesestrescir. Désolé de la prononciation, leurs noms de ville en même temps, ils sont beaucoup trop durs, même de région. Alors, une fois que vous êtes trouvé à cet endroit, sachez que vous pouvez en plus y aller dès le début, hein. Moi là, je suis à peine puissance 40 et j'arrive quand même à battre les soldats assez aisément grâce à l'assassinat. Donc, une fois que vous êtes là, vous sauvegardez. Une sauvegarde manuelle, bien entendu. Et le but, en fait, ça va être tout de suite de la charger, justement pour faire apparaître ces soldats. Oui, donc oui, c'est celle-là, chargée, oui. Bon, par contre, les chargements en fonction de la console ou du PC que vous avez, c'est plus ou moins long. Moi, pour la vidéo, je me permettrais, ça serait de vous faire des avances rapides pour que ça soit un peu plus rapide, hein, bien entendu. Donc, alors là, on voit les trois soldats arriver. Donc, il y en a un sur les trois qui a justement ces lingots de tungstène qu'on veut à tout prix. Donc, c'est pas le boss, c'est l'un des petits soldats, mais avec l'épée. Mais malheureusement, vu qu'ils se déplacent en troupe, on est obligé de tuer les trois. Donc là, vous attendez dans le buisson. Une fois qu'ils passent devant vous, vous pouvez alors les attaquer dans leur dos. J'en ai vu jeter Donc là, des bah, épées vu en qu'il est en plein sorte d'état milieu, dans la on va tuer lui en premier. Arrête-toi. Là, on va viser le gros. Comme ça, on sera pas emmerdé si on a à tuer avec l'assassinat. Parfait. Et alors, c'est... Ah, bah là, il n'y a pas pris son coup de marteau. Et alors justement, ça va être lui à l'épée qui va avoir les lingots de tungstène. Hein. Regardez, je peux fouiller les autres. Comme on voit, ils ont pas les lingots de tungstène qu'on veut. Là par contre, si je sors l'archer, ça sert à rien. Voilà, je lui fais des dégâts. Hop, coup de marteau. Pourquoi ça veut pas le piétiner? J'ai pas fait de touche ou quoi? Bon, on va le finir. Et voilà. Donc lui, on le fouille. Et voilà, lingot de tungstène, comme je vous disais tout à l'heure. Donc alors, maintenant, le but, c'est bien entendu, ça va être de sauvegarder. Enfin, tout d'abord, je fais vérifier l'inventaire. Alors, dans le sac, comme vous pouvez voir, j'en ai que un seul. Donc ce lingot permettant de porter la qualité d'un équipement de parfaite à mythique. Tout simplement. Donc ça va être très utile un peu plus tard dans l'aventure. Même si vous pouvez augmenter très rapidement votre armure si vous suivez mes différentes astuces sur ma chaîne. Donc là alors, on sauvegarde. Donc lui, écraser l'ancienne. Et on va tout de suite alors aller la charger. Donc là, pareil, on va alors attendre que le soldat soit à notre hauteur. Voilà, il passe devant nous. Alors, on va recommencer exactement comme tout à l'heure. Pardon, exactement comme tout à l'heure. La vie Donc est une lui, on drôle de l'assassine. chose. Ensuite, on va viser le boss. Alors, un peu plus dur à avoir là, vu que l'autre était devant. Voilà. Hop, là on se fera pas avoir, on met pas le premier coup. Ah bah il a toujours pas pris le coup de marteau. C'est pas grave, on va utiliser notre compétence. On va utiliser exprès les stacks d'endurance, donc on va les utiliser. Et voilà, il est déjà mort. Et voilà, lingot de tungstène pour la deuxième fois. Donc, ah là par contre je suis un peu embêté parce que malheureusement il y a d'autres soldats. C'est pas grave, dans la vidéo je le ferai en mode rapide. Voilà, donc maintenant alors, on sauvegarde à nouveau.
c'est sauvegardé et maintenant on va la charger. Donc c'est assez répétitif, hein, mais par contre pour fermer, c'est ce que j'ai trouvé le plus rapide pour le tungstène. Hop, on se cache dans le buisson, on met sa capuche. Ouais, il passe devant nous. Et on recommence. Ah, là par contre, il y a le quatrième de tout à l'heure, je sais pas pourquoi il est revenu. Bon, c'est pas grave. Alors, assassinat. On vise le gros. Et maintenant alors, on va utiliser directement la compétence. Et on va tuer celui qui nous intéresse. Ah, donc là on se fait avoir. Ah bah voilà, là il a pris son coup de marteau. Et voilà, on récupère pour une troisième fois les lingots de tungstène. Alors deux secondes, lui je vais le tuer. Et voilà, comme ça on est tranquille. Et en plus avec sa tête qui roule sur le chemin, c'est parfait. Hop, donc là comme tout à l'heure, vous fouillez. Et je vais vous faire maintenant vérifier dans l'inventaire, dans le sac, qu'on a bien alors nos trois lingots de tungstène. Donc comme vous avez pu voir, en fait vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez pour le fermer le plus possible. Donc si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine.